to turn it on the TV. This is the princess. Wait, dun dun. Oh, this is mine. If you can do this, so now. Wait, do it back there. That's mine. Donna, that's watching TV. Where are you gonna have it too? I'm sorry that that one. Where are you gonna watch TV? I'm sorry here. I put a This is the Francis TV. Can you watch this? Yes, that's right. Why watching TV, please? Gee! Don't uninstall the video. That's here? This is the Francis Fantastic. Watch this video. If you can add Kali right here. Voici Maman Pig et voilà Papa Pig. La panne de courant. C'est le soir. Peppa et Georges sont dans le salon et dansent sur leur morceau de musique favori. Papa Pig est dans l'entrée et passe l'aspirateur. Et Maman Pig est dans son bureau et finit un travail important sur son ordinateur. Oh! L'aspirateur ne marche plus. Et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup. Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui. Mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien. Je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Oh, 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 ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Oh, ah, qui a posé ça ici? Oh. Papa, rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. Oh, je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Aha! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi. Peppa fait une drôle de grimace. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa. On devrait prévenir papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais où? Papa, on a trouvé la lampe de poche. Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été.
Heureusement, c'est vrai. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que l'électricité soit remise en marche. Ça va durer combien de temps exactement? Je dirais exactement très longtemps. Oh, mais George et moi, on a très envie de danser. Je sais ce qu'on va faire! On peut regarder la télévision? Oh, elle ne s'allume plus! La télé a besoin d'électricité, elle aussi. Oui? Oui? Oh! Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Eh bien, dans l'ancien temps, quand il n'y avait pas de télévision, les enfants inventaient leurs propres jeux. J'ai une idée! J'ai besoin d'une vieille boîte en carton! Mais que va faire Pina? Maman, tu peux me faire un trou dans cette boîte, s'il te plaît? Pourquoi faire? Tu verras! Maman Pig découpe un trou dans la boîte en carton. Et voilà, Peppa! Merci beaucoup! Maintenant, vous allez tous vous asseoir là. Et toi, George, il faut que tu diriges la lumière sur moi. Bienvenue sur Peppa Pig Info. Avec moi, Peppa Pig. Peppa a inventé sa propre télévision. Aujourd'hui, c'est l'univers tout entier qui s'est arrêté à cause d'une panne de courant. Et toute notre électricité s'est perdue. Un grand bravo, Peppa. Peppa Pig dit que l'électricité ne reviendra pas avant un long, long moment. Oh, l'électricité est revenue. Hurrah! Et chut! Je n'ai pas encore fini. Éteignez la lumière. Tout de suite, Peppa. Bon, j'ai des informations d'une haute importance. Le président vient de découvrir une source d'électricité et dit que tout le monde va pouvoir être à nouveau heureux. Encore bravo, Peppa. Hurrah! Allez, on danse! Peppa s'est amusée de la panne de courant. Mais elle est heureuse que l'électricité soit revenue. Non, watch the TV. Les étoiles. Il est presque l'heure d'aller au lit. Maman Pig, Papa Pig et Peppa sont en train de boire une tasse de lait chaud. George, pourquoi as-tu mis cette combinaison de l'espace? Tu devrais être en pyjama. George adore tout ce qui se rapporte à l'espace. George, retire ton casque de l'espace pour boire ton lait. Allez, au lit, les petits chéris. Quand il fait nuit, George aime bien écouter son mobile de l'espace.